Bonjour tout le monde et bienvenue sur yapapote.global. Yapapote.global, c'est trois playlists. Ce jour et cette présentation est consacrée au co-helping fintech blockchain. Alors, c'est la présentation et le podcast audio 568 co-helping fintech blockchain crypto ICO, comprendre l'innovation, la transformation bancaire et comment va être transformé le contrôle interne et donc le KYC qui est mon sujet du jour. Quid du KYC, c'est-à-dire Know Your Client. Et pourquoi à ce jour, en fait, il y a tant d'intérêts collectifs. Alors, en introduction, pourquoi tant d'intérêts? Point d'interrogation. Je dirais que force est de constater que le KYC semble intéresser non plus seulement les experts. Les experts étaient les régulateurs institutionnels tels que l'ACPR, l'AMF, TRACFIN, les auditeurs gouvernementaux et indirectement sollicités parfois les différents Big Four pour auditer. On avait également les banquiers ou les contrôleurs internes en gestion du risque LCBFT, en d'autres termes lutte contre le blanchiment, la fraude et le terrorisme. Mais aujourd'hui, ça suscite la curiosité de bien nombreuses autres cibles qui ne cessent de croître et de s'élargir. Qui s'intéresse au KYC? Alors on trouve de plus en plus souvent le particulier ou le self-consomme bank actor. Il semble prendre progressivement conscience que dans le futur proche ou déjà amorcé, il devra devenir son propre banquier. De ce fait, comprendre la notion de KYC pour un particulier semble une opportunité d'optimiser, d'anticiper, prévenir la gestion du risque autour de son portefeuille. Le risque majeur potentiel pour un particulier étant d'encadrer la gestion du risque de perte de son capital. Le professionnel, le porteur de projets fintech, blockchain, crypto, ICO, les codeurs, les développeurs, etc. Et pourtant, s'y intéressent, autant pour moi. Et pourtant, ces derniers sont parfois des non-experts du secteur bancaire. Donc aujourd'hui, on voit des gens déployer le KYC alors que ce ne sont pas des experts du KYC. Ce qui soulève quelques points de vigilance et d'interrogation. Alors, cette révolution digitale impactant également la notion de KYC ne fait donc que commencer. Nous ne sommes à mon sens qu'au balbutiement de cette évolution, révolution, autour de l'intelligence artificielle, du deep learning, du machine learning, déjà bien engagé, qui impacte, influence la transformation globalisée, systémique de tous nos business models de vie, incluant le secteur bancaire. Plan du sujet. Alors, dans le cadre de cette synthèse, je traiterai dans une première partie qu'est-ce que la notion de KYC. Pour faire la transition vers une seconde partie consacrée à comprendre quelles sont les variables d'influence de la qualité et de l'efficience des procédures KYC pour des acteurs traditionnels et innovants. Dans une troisième partie, je traiterai des non-conformités majeures attenantes au KYC, pouvant impacter la gestion du risque de perte de capital pour un particulier. Enfin, dans une quatrième partie, on essaiera de comprendre comment l'automatisation du contrôle du KYC et la technologie blockchain peut transformer l'efficience et la simplicité du KYC en réponse aux exigences d'efficience, qualité et sécurité. Ici, je ne parle pas d'efficacité, avec la techno-blockchain, je parle d'efficience. C'est le rêve de tous. Alors, toujours en introduction, problématique d'ouverture autour du sujet. Quid KYC? La procédure KYC est-elle unique et transposable à toutes les organisations, qu'elles soient traditionnelles ou innovantes? Quid de la réalité? Mise en pratique et audit terrain? Point d'interrogation. Quid du KYC? Quels risques ou opportunités pour le particulier et utilisateur? Alors, dans cette première partie 1, qu'est-ce que la notion de KYC? KYC, comment comprendre les basiques? Le KYC, ou encore Know Your Client, peut se résumer à collecter et vérifier la concordance, la véracité de la data personnelle, afin de mieux connaître son client, notamment dans le secteur bancaire et financier. Exemple de KYC basique.
C'est la demande de pièces d'identité, d'adresse postale. Ça peut être une photo du client tenant sa carte d'identité. Ça peut être le renseignement de la nature de votre personne, personne physique, morale. Ça peut être également le fait de renseigner des factures, des justificatifs de domicile, la situation de famille, votre situation emploi, votre pouvoir d'achat, vos habitudes, et connaître la fréquence notamment de votre consommation, votre état de santé, etc. etc. Donc le KYC, Know Your Client, peut se résumer à des procédures, à mon sens, de bonne pratique, des enregistrements, une politique, voire même un mode de gouvernance qu'il convient à une organisation de mettre en place, puis de suivre pour répondre à des obligations de conformité légale et réglementaire, notamment mises en place en réponse aux obligations des tiers de confiance institutionnels. Ça vise également à lutter contre le blanchiment, la fraude et le terrorisme, en d'autres termes le LCBFT, et protéger par là même le consommateur qui prend une place actuellement de user first. Le KYC permet de répondre et d'assurer indirectement la satisfaction client, incluant la gestion du risque global pour le client et l'organisation. La profondeur, la qualité et l'efficience du KYC reposera également sur la politique qualité de la sensibilisation également des organes de gouvernance, des équipes de management, des salariés, des développeurs, des auditeurs aux risques majeurs, LCBFT notamment. KYC. Pourquoi semble-t-il important d'automatiser point d'interrogation ? Alors, la profondeur de l'efficience du KYC peut reposer essentiellement, à mon sens, sur la personnalité du porteur de projet qui déploie indirectement le KYC. A-t-il une vision de pérennité ? A-t-il une vision protection user first ? A-t-il une vision rentabilité ou business ? Point d'interrogation. Alors, maintenant, nous allons faire la transition vers la partie 2. Le KYC est la variable d'influence que je dirais neurocognitive, consciente ou inconsciente, sont à mon sens également des facteurs d'influence potentielle indirecte de la réalité du KYC qui est appliquée, en accord ou non, avec les procédures écrites en interne et communiquées aux institutions pour obtenir un agrément, quand ce dernier est nécessaire à l'activité. Le risque associé étant que la notion de KYC soulève des points de vigilance et de contrôle pouvant parfois être mis en place, suivis, évaluer de façon subjective. De plus, l'erreur est malheureusement humaine, d'où l'importance de l'automatisation du contrôle interne afin d'harmoniser peut-être les procédures. Il existe bien d'autres facteurs d'influence majeurs, mineurs, réversibles, irréversibles qui vont impacter l'efficience et la qualité d'un KYC. Pour comprendre, je vous invite à me suivre dans cette deuxième partie. Allez, y est pas, go, on y va. Deuxième partie. Quelles sont les variables d'influence de la qualité et de l'efficience des procédures KYC ? KYC et harmonisation de la transposition. C'est ce qu'on va voir au travers de cas pratiques. Que montre l'audit de comparaison des banques en ligne ? Point d'interrogation. J'ai testé, je teste, je compare, j'audite, j'analyse. Pourquoi ? Vérifier l'harmonisation des procédures de KYC chez nos acteurs bancaires traditionnels par rapport aux fintech, aux néobanques ou autres banques en ligne. J'ai donc comparé et je compare la facilité ou la difficulté pour pré-ouvrir des comptes en ligne pour un utilisateur lambda en fonction de la profondeur d'exigence des questionnaires clients, procédure, enregistrement autour du KYC. Mes observations sont les suivantes. Les conditions et exigences liées au KYC constatées pour les ouvertures de comptes semblent très variables d'un acteur bancaire à l'autre, ce qui laisse penser à un risque majeur potentiel pour l'utilisateur lié à l'approche subjective de la gestion du risque de l'acteur bancaire. Les variables pouvant conditionner une ouverture de compte reposent sur la qualité et la quantité de justificatifs personnels et également la situation du client, la sédentarité potentielle du client, conditions également du montant de dépôt initial, sous conditions de salaire également, parfois certains CDI peuvent être indirectement obligatoires, également sous conditions de fréquence de dépôt ultérieure, également impose une exigence de transparence sur des potentiels autres comptes,
et également de grandes variables en termes de qualité par rapport à la fintech que vous utilisez, puisque les temps de validation sont complètement variables et peuvent aller jusqu'à 1 ou 2 mois. Les variables qui vont également conditionner l'ouverture de compte peuvent par exemple être conditionnées par la souscription à des produits et des services dits entre guillemets obligatoires attenant à cette ouverture de compte. Donc en effet, il semble que les procédures, les bonnes pratiques, la nature des exigences, la profondeur des questionnaires pour répondre au KYC et permettre l'ouverture d'un compte client semblent très variables d'un acteur bancaire à l'autre. Traditionnel vs innovant, on compare. Voire variable, même pour une même banque traditionnelle physique qui évolue en banque en ligne. Les données personnelles collectées pour répondre aux exigences du KYC divergent donc complètement. Je vous invite à comparer par vous-même la simulation d'ouverture de compte en ligne. Les formulaires KYC sont très variables d'un acteur à l'autre et divergent. Pour résumer, le KYC semble manifestement très variable d'un acteur à l'autre. Ainsi, dans mon constat d'audit d'approche des procédures KYC entre banque traditionnelle vs e-banque, j'ai pu noter les points suivants. L'élément majeur indispensable à toute ouverture de compte bancaire de nos jours, que ce soit banque tradie ou e-banque, est très souvent, voire toujours conditionné, sous réserve d'être sédentaire et d'avoir une adresse postale et des factures associées à cette adresse, justificatif de domicile obligatoire. À ça se pose la question du quid, de la parité de la gestion des risques, de l'équité pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un toit. La grande différence également, à mon sens, entre les banques physiques et les e-banques repose sur la souplesse, la flexibilité, le dynamisme de l'ajustement des leviers de contrôle du KYC, c'est-à-dire la profondeur de l'exigence du KYC. Il semble en effet plus aisé d'ouvrir un compte en ligne, notamment en passant par une fintech indépendante d'une banque traditionnelle. Les questionnaires KYC et les conditions d'ouverture semblent parfois beaucoup plus légères. Ceci n'a pas de valeur de vérité générale du fait que le KYC évolue de façon dynamique chez ses acteurs. Quid de comment va continuer à évoluer la réglementation autour du KYC? C'est bien elle qui imposera la limite du périmètre, point d'interrogation. Alors, quels sont les facteurs constatés pour faciliter l'ouverture plus rapide d'un compte et le moins d'exigences au regard d'un KYC, point d'interrogation. Ce que j'ai noté, déjà, importance de l'identité. Vous devez distinguer si vous êtes une personne physique, morale ou une personne publique, voire connue. Ça peut aider. Le montant du dépôt initial également va influer la fréquence et l'importance de vos versements futurs et immédiats. Et également la condition de souscrire des services et produits attenant à l'ouverture du compte client. Transition partie 3. Certains points ou défauts d'exigence du KYC posent à mon sens potentiellement un risque majeur pour le particulier. Mais comment un client, un utilisateur ou un potentiel investisseur ICO peut savoir que son tiers de confiance n'en est pas un? Comment pouvons-nous anticiper nos risques? Point d'interrogation. En s'informant? Pour ce faire, je vous invite à me suivre dans cette troisième partie. Partie numéro 3. Quelles pourraient être les non-conformités majeures attenantes au KYC pour un particulier? Alors, le KYC, peut-il avoir un risque majeur? Peut-il présenter un risque majeur pour un particulier? Ce dernier point soulève à mon sens un potentiel risque majeur financier et éthique entre autres. Utiliser un acteur, une plateforme, une fintech, un ICO n'appliquant pas les procédures liées au KYC augmente le risque de perte de capital du particulier voire même du business angel. Les gendarmes de la finance que l'on appelle l'ACPR, l'AMF, le TRACFIN entre autres veillent, auditent et peuvent prendre la décision de geler des comptes clients et donc d'immobiliser indirectement l'argent du particulier dans certains cas de non-conformité majeure réglementaire du tiers de confiance utilisé. Néanmoins, l'émergence massive de tous ces acteurs qui profitent et s'engouffrent dans les vides juridiques rend fastidieux le contrôle par les autorités de contrôle qui se retrouvent alors débordées ou voire même qui manquent un peu parfois de qualifications techniques pour pouvoir constater les non-conformités. Donc face à des problèmes réglementaires qui recoupent des vides juridiques.
Alors, la profondeur d'une analyse de risque-opportunité, en d'autres termes, le SWOT, ou encore le MOF en français, du KYC, est régulée et devrait être encadrée par les institutions gouvernementales. Mais la dématérialisation vise à donner de plus en plus de pouvoir aux particuliers, qui prend alors une place de plus en plus importante en tant que user first et consommateur, devant assurer lui-même la gestion de ses propres risques. Donc, à mon sens, il appartient à chacun de rester consommateur vigilant, surtout sur Internet. Alors, KYC, pourquoi devons-nous rester auto-consommateurs vigilants, point d'interrogation ? Parce que les non-conformités potentielles majeures peuvent être nombreuses et parfois on n'a pas assez d'imagination pour les anticiper. Parmi elles, exemple de non-conformité majeure potentielle. Non-conformité reposant sur l'organisation et ses obligations légales. Exemple, un défaut d'agrément. Un défaut de numéro de ORIAS, un défaut d'assurance, un défaut de compte de cantonnement visant à sécuriser l'argent du tiers, un défaut de KYC appliqué, une fintech utilisant sa plateforme pour faire transiter de la crypto, tout est possible. Après, je vais citer des non-conformités reposant sur les utilisateurs de la plateforme, du service, du produit, voire même de l'ICO ou autre. Alors, parmi les non-conformités qu'on pourrait relever, ça pourrait provenir de l'origine des fonds, l'origine des flux financiers, voire même le fait de ne pas avoir de passeport et d'agrément étendu. Ça pourrait reposer sur l'origine des pays, présentant un risque blanchiment fraude terrorisme très élevé. Ça pourrait reposer sur la nature de la clientèle, les marketplaces, les activités non déclarées, le travail au noir, le fait d'utiliser des utilisateurs n'ayant pas 18 ans, le fait de conserver des utilisateurs qui utilisent des CB frauduleuses, volées, etc., etc. Donc la liste, elle pourrait être longue, tant l'analyse de risque est propre à chaque projet et évolue de façon dynamique avec la transformation et les nouvelles technologies. Alors comment l'expliquer ? Pourquoi autant de risques pour le particulier ? Comment est-ce qu'on peut comprendre le contexte ? Alors on va faire un petit rappel. Les fintech, les projets blockchain, la crypto, les ICO, qui sont souvent ce que j'appellerais des serial licornes, qui peuvent lever de nombreux fonds en phase d'amorçage par financement participative, peuvent atteindre le million en termes de financement. Il est parfois beaucoup plus aisé pour eux d'aller vite, surtout au démarrage en phase d'amorçage, pour contourner la réglementation de façon à concentrer le nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire augmenter la quantité d'utilisateurs et non la qualité, qui peuvent être privilégiés par un porteur de projet qui va viser plutôt la rentabilité que la pérennité. En ce sens, en augmentant le trafic, les flux financiers, ces acteurs peuvent donner une confiance artificielle au public ou au business angel potentiel, ce qui leur permet de pouvoir prétendre lever encore et encore sans que leur crédibilité ne soit atteinte. Ceci ajoute un risque de non-conformité KYC additionnel majeur tel que la fraude dissimulée, le blanchiment, voire même peut-être un risque Ponzi scheme du schéma de Ponzi. Je vous invite à aller voir mes casts audio sur ce sujet. Voire même un risque additionnel qui revient à dissimuler de la crypto hors cadre légal, etc., etc. Je vous rappelle que la crypto n'est pas reconnue dans le cadre réglementaire comme une monnaie au sens juridique propre. Alors, les risques, en fait, ils sont illimités et réels. Méfiance et vigilance du consommateur. Nous sommes également à l'ère de la perte de la confiance, de la défiance, et il convient de la restaurer. Transition partie 4. Je vous rassure, pour ma part, ma vision, elle est quand même très optimiste, car l'intelligence artificielle, l'automatisation du contrôle, le blockchain, devraient nous permettre de mieux anticiper les risques en amont et d'éviter d'attendre plusieurs années avant que les gendarmes de la finance n'agissent pour protéger le consommateur. C'est ce que nous allons traiter dans cette dernière partie. Partie 4. Comment l'automatisation du contrôle et de la technologie blockchain vont transformer le KYC ? Quid KYC et blockchain ? Quelle opportunité ? Point d'interrogation. À mon sens, la priorité du périmètre d'un KYC dit raisonné et raisonnable consisterait à maintenir, améliorer la simplicité de l'efficience de la sécurité globale systémique et systématique, lutter contre les disparités, les inégalités sociales en simplifiant nos vies simplement.
L'horizon de demain, grâce à l'innovation et notamment le blockchain, nous donne le moyen de réajuster de nombreux leviers, notamment nos leviers d'égalité sociale, accroître l'anticipation de la gestion du risque, atteindre l'efficience de la traçabilité en augmentant la sécurité pour tout être humain avec un grand H. Quid, KYC et blockchain ? Science ou fiction ? Point d'interrogation. Internet et blockchain, par leur nature open source, tendent à accroître potentiellement les risques. Néanmoins, la robustesse de cette technologie, la finesse de sa traçabilité, sa nature décentralisée, peer-to-peer, sa simplicité, ses transferts de propriété quasi instantanés, associés à la puissance d'une potentielle intelligence collective boostée, suppléée par l'intelligence artificielle, pourrait, selon moi, accroître significativement les opportunités et réduire les risques globaux. Quid de quel monde construirons-nous demain ensemble ? Point d'interrogation. Continuerons-nous dans la folie de l'hypercapitalisme non contrôlé ? Point d'interrogation. Continuerons-nous à accroître des inégalités sociales par souci de rentabilité personnelle, de corruption ou de lobbying ? Point d'interrogation. Que sera la mesure de notre contrôle ? Point d'interrogation. De nos ambitions collectives ? Point d'interrogation. Difficile de le prédire, de l'anticiper. Comment le savoir ? Personne ne peut prétendre le savoir. L'être humain peut être rationnel comme irrationnel parfois, et je m'inclus. Confère mes podcasts audio, playlist FinTech, Blockchain, Crypto pour plus de détails sur cette partie. Pour finir ce sujet et conclure, en conclusion, je dirais que les banques traditionnelles, ou alors les fintechs dépendantes ou indépendantes d'acteurs bancaires, les projets blockchain, crypto, ICO, etc., que sais-je, nous sommes à l'ère de l'innovation, l'être humain devient de plus en plus créatif et très créatif et tout va très vite. Néanmoins, pour ma part, ce que je retiens repose sur la notion de KYC, dit unique, tel un ADN unique par la complexité de son expression. À mon sens, la nature du KYC évolue de façon dynamique et évoluera encore et encore. De plus en plus, le KYC semble déjà très variable entre les banques traditionnelles et entre les banques en ligne, entre les fintechs dépendantes ou indépendantes d'acteurs bancaires. Donc, il sera très certainement variable également entre les projets blockchain, crypto et ICO. Pour connaître la profondeur, l'efficience du KYC, il conviendrait d'auditer la réalité du terrain de l'organisation systémique incluant l'ensemble de ses processus et sous-processus internalisés et externalisés dans son environnement direct et indirect, micro-environnement, macro-environnement. Parmi ces processus de management, de réalisation, recherche de développement, support, avec un S, etc., etc., etc. La tâche est fastidieuse, donc en fait, il appartiendra à chacun de se tenir informé, afin d'anticiper la gestion du risque autour de son portefeuille. Vigilance à appuyer dans un contexte de multicrise économique où l'emploi devient rare, où la précarité s'accroît et où la notion de valeur ajoutée de monnaie subit de profondes transformations. Je clôturerai ce sujet en évoquant d'autres problématiques d'ouverture autour du même sujet. Quid KYC ? Sera-t-il raisonné, raisonnable, rationnel, basé sur une intelligence collective ? Visera-t-il à assurer la sécurité globale et la lutte contre les disparités, les inégalités sociales, le blanchiment, la fraude, le terrorisme, la corruption, le lobbying ? Point d'interrogation. Quid KYC ? Quelle variable d'influence actuelle et future ? Point d'interrogation. Pérennité ou productivité ? Risque ou opportunité ? Quid KYC, facteur d'influence indirect démocratique de la parité, de l'égalité, des inégalités sociales. Point d'interrogation. Quid KYC, comment vérifier le KYC dans une organisation décentralisée ? Comment auditer dans le cas des ICO ? Point d'interrogation. Soyez vigilants. Quid KYC et la blockchain ? Satoshi Nakamoto n'a-t-il pas indirectement participé à créer un premier système d'intelligence artificielle incontrôlable, même par la régulation ? Point d'interrogation. Voilà pour finir ce sujet. Alors, je ferai juste un petit aparté en vous rappelant quelque chose, c'est que yepapote.global,
présente un gros risque d'imperfection de cet article qui est complètement assumé. Point d'interrogation, pourquoi ? Parce que cet article présuppose un risque de subjectivité cognitif et émotionnel, etc. Comme pour tout être humain qui s'exprime. Car au fond, être humain, c'est à mon sens essayer de prendre conscience de ses imperfections, de sa subjectivité, de la limite de la notion d'intelligence humaine, de sa limite de perfectibilité, consciente ou inconsciente, conditionnée par notre génétique. Les limites de l'intelligence humaine devraient progressivement être comblées par l'intelligence artificielle, par nos assistants virtuels, nos robots, nos bots, etc., etc., qui devraient venir nous aider et nous suppléer. Pour résumer, il convient à chacun de mettre en place sa propre analyse. Cet article a lieu d'ouvrir une réflexion se basant sur la sommation de l'intelligence collective et n'a aucune valeur de vérité générale. Le sujet reste ouvert à tous. Je vous dis à bientôt et en espérant que ce sujet vous aura plu. Prenez soin de vous.